une personne qui a une tumeur cancéreuse. Si tu n'as pas honte, viens, elle va partir cette tumeur. Au nom de Yeshua, on acclame le Seigneur de gloire. Quelque chose qui marche partout. Dieu qui a donné cette parole de connaissance, vous pensez que cet homme peut être guéri? Qui le croit? La mort va le lâcher maintenant. Sors de ce corps. Sors de ce corps. C'est la sorcellerie qui a été faite contre lui. C'est un démon. Il va partir là. Et quand le médecin là, il va pas en revenir. Frère, Dieu quand il parle, il est derrière. Moi je connais pas cet homme. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oui, démon, sors de ce corps. C'est au niveau de ce ventre, vous voyez, non? Il s'en va. Sors de là. Pars au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Allez, sors. C'est bon. Alléluia. Regardez, c'est bon. C'est là qu'il fait ses besoins. Là! C'est la première fois que tu viens ici? Jésus est bon. Asseyez-vous, asseyez-vous.
Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est fils de Dieu. Je suis venu de la Belgique. Il est venu de la Belgique. Je suis venu de... Depuis hier, j'ai vu des témoignages. J'ai vu le frère Chora. Ça fait 12 jours que j'ai subi cette opération. Mais j'avais cette foi que j'ai dit que le Seigneur va me guérir. J'étais à l'hôtel. J'ai essayé vraiment de me reposer parce que je ne pouvais plus bouger. J'ai regardé ma montre, c'était 1 heure. Je me suis réveillé avec des douleurs intenses. Je ne voulais pas réveiller ma femme. J'ai dit, je vais mourir, ça y est. J'ai tenu mon ventre comme ça, j'ai dit, bon, je vais quand même réveiller ma femme. Il vais lui dire, quelque chose ne va pas. Je l'ai réveillée, elle est là. Des douleurs de mort. Elle avait dit qu'on va partir en Belgique. Ça y est, non, on va partir. Mon fils est là aussi. On a préparé la voiture. J'ai dit, moi, je ne vais pas partir. Le diable ne va plus me faire peur. Ma femme m'a dit, mais tu vas mourir. J'ai dit, celui qui a commencé en moi, il va le terminer. J'ai dit, c'est le diable, il me fait peur. Je n'ai plus peur, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Je vais partir à l'église, quelles que soient les douleurs, et je vais être guéri aujourd'hui. Et ma femme est là comme elle ne s'exprime pas en français, mais elle a beau insister pour que je parte. Mais mon fils est allé me réserver un billet par avion. Je lui ai dit, je ne vais pas partir. Il est allé me réserver un billet par TGV. Je lui ai dit, je termine le culte, puis je vais partir. Et Dieu est là aujourd'hui. Mais une chose est certaine, mes frères, le médecin m'a condamné. Je l'ai jamais dit à ma femme. Je l'ai jamais dit, je lui ai caché quelque chose. Mais dans mes prières, j'ai dit que je ne vais plus mourir parce que Dieu est vie. Dieu est vie, il vit en moi, je ne vais plus mourir. Mais j'ai fait un serment. Tout ce que vous avez dit, frère Jora, tout ce que vous avez dit, je vais partir en Inde, je vais partir ça, ça et là, c'est pour moi. C'est pour moi, le Seigneur. Je peux prêcher. Parce que je vais crier comme Jean-Baptiste. Dieu m'a guéri. Dieu veut te sauver encore moi aussi. C'est pour moi que tu as dit ça. Amen. Lorsque je l'avais entendu, j'ai dit, tu me parles, Seigneur. Et je t'ai fait ce serment. Je vais l'accomplir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, il vient de la Belgique. Non seulement que Dieu a fait ce miracle, le Seigneur me met à cœur, on va vous rembourser votre billet. Mon frère David, on leur donne 200 euros pour le transport. Ils partent avec cette bénédiction. Au nom de Yeshua. Mais on n'a pas réservé par avion, on est venu par voiture. C'est bon, on participe. Pour ta mission dans le monde. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez rentrer maintenant. Alléluia.
Alléluia. David, faisons notre don à notre frère missionnaire de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Père, non, Jésus est le même. Jésus est le même. Il m'a dit qu'il allait nous surprendre. C'était le début.
chose. Là, c'est le don que Jésus a donné. C'est pas nous, c'est Jésus. De 200 euros que le royaume a donné à notre frère. Donc, tu es d'origine musulmane. Hein? Bon, je suis algérien. Pour les frères et sœurs de l'Algérie qui sont là, qui sont connectés. Mais je n'ai jamais été musulman. Je n'ai jamais été senti musulman. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh, les musulmans, venez voir la lumière de Dieu. Gloire à Dieu. Un petit mot en arabe. J'aime bien cette langue. Tu Kabyle. Français. À Kabyle, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs de Kabylie qui suivent. Venez voir la lumière de Dieu, que vos cœurs changent. Sois béni. Alléluia. Alléluia.